quand je dis que le Cili a fait une prestation acceptable, c'est par rapport aux adversaires précédents du Sénégal. En tout cas, en termes d'occasion, je pense que le Sénégal a eu moins d'occasions hier qu'auparavant. Je parle par exemple du match de Cameroun, du premier match du Sénégal. C'est pourquoi je ne dis pas, tout ce que le Cili a fait hier, je ne peux pas jeter tout ça dans l'eau. Je pense que ce n'était pas mal. Vous pensez que ce n'était pas mal? Ce n'était pas mal. Mesdames et messieurs, il y a un supporter du Cili qui a vraiment aimé la prestation des hommes de Kaba Diawara hier. Même si on est un peu étonné, mais quand même on doit accepter. On doit accepter parce que c'est un avis. Ouais. Vous savez, le football est... C'est pas facile aussi de donner son avis, surtout quand on n'est pas du côté du grand public. Bonsoir. Bonsoir. Quel est votre nom? Mon nom c'est Djibril Nabé. Djibril Nabé. Oui. Djibril Nabé, est-ce que vous êtes toujours supporter du Cili malgré la défaite? Oui, je suis toujours supporter du Cili. Je pense qu'hier Cili a fait une bonne prestation. Ah mais bon, vous pensez que Cili a fait une bonne prestation avec 2-0? 2-0, oui. Et ce tir cadré? Il ne faut pas voir seulement le score, mais le contenu quand même, il y a quelque chose qui m'a marqué. Okay. Surtout le coaching de l'entraîneur, il y a des joueurs qui étaient venus qui sont venus à la CAN, qui ont besoin de jouer. Hier, il les a fait jouer. Okay. C'est pourquoi je ne dis pas que l'équipe de Sénégal est plus forte que la Guinée, dans la mesure où on n'a pas joué avec notre équipe type. Mais je pense que le peuple guinéen doit comprendre qu'on ne peut pas jouer avec notre équipe type dans tous les matchs. Parfois, il y a des imprévus. Par exemple, le cas de Touré. C'est un joueur qui était pressenti pour jouer le match. Mais dans l'entraînement, il s'est blessé. Lors de l'entraînement, il s'est blessé. D'accord. Maintenant, on parle un peu de la concrétisation des occasions, de la création même du jeu. Oui. Au milieu de terrain, on a vu un milieu de terrain vraiment impuissant et une attaque inexistante. Mais comment est-ce que vous pouvez convaincre ceux qui nous regardent que le Cili a fait une prestation acceptable ou même remarquable? Acceptable, quand je dis que le Cili a fait une prestation acceptable, c'est par rapport aux adversaires précédents du Sénégal. En tout cas, en termes d'occasion, je pense que le Sénégal a eu moins d'occasions hier qu'auparavant. Je parle par exemple du match de Cameroun, du premier match du Sénégal. C'est pourquoi je ne dis pas, tout ce que le Cili a fait hier, je ne peux pas jeter tout ça dans l'eau. Je pense que ce n'était pas mal. Vous pensez que ce n'était pas mal? Ce n'était pas mal. Mesdames et messieurs, il y a un supporter du Cili qui a vraiment aimé la prestation des hommes de Kaba Diawara hier. Même si on est un peu étonné. Mais quand même, on doit accepter. On doit accepter parce que c'est un avis. Ouais. Vous savez, le football, c'est pas facile aussi de donner son avis, surtout quand on n'est pas du côté du grand public. Ah ouais. Mais la prestation de Cili hier, ça peut s'expliquer par beaucoup de facteurs. Moi, je peux dire que peut-être Kaba s'est dit, il s'est venu dans un match en étant dans une logique de dire que ce match, je ne suis pas obligé de gagner dans la mesure où je suis qualifié. Je viens, je fais peut-être un match, peut-être avec ça, je me qualifie. Je trouve que le tirage, bon, c'est pas le tirage qui a été fait, mais l'adversaire de Cili, parce que le Cili est troisième, leur adversaire, je crois, c'est Guinée équatoriale. Ce papier Guinée équatoriale est plus abordable que le Nigeria. Est-ce que toute l'équipe qui a étrié la Côte d'Ivoire 3-0, alors que le Nigeria n'a battu la Côte d'Ivoire qu'un seul but? Non, ce n'est pas ça le plus important. Vous savez, lorsque vous venez dans les phases à élimination directe, il y a quelque chose aussi qui compte. C'est l'expérience. En fait, je trouve que l'équipe du Nigeria est plus expérimentée que celle de la Guinée équatoriale. Ok. Oui. D'accord. Maintenant, parlons de Naby Keita. Est-ce que Naby Keita devrait jouer ce match-là? Et que pensez-vous de son rendement, de sa feuille, quoi, la feuille qu'il a rendue réellement son match? Son rendement, je pense que Naby Keita hier, je m'attendais à un joueur qui pouvait nous tirer un peu vers le haut. Mais ça n'a pas été le cas. Mais il y a aussi des explications qu'on peut donner à ça. Naby Keita, c'est un joueur qui ne joue pas actuellement, ça c'est connu du grand public. Donc c'est pas étonnant qu'il fasse une prestation morose hier. Okay. D'accord. Maintenant, face à la Guinée équatoriale, quel par exemple classement ou quel joueur clé que Kaba doit vraiment utiliser, mettre sur le terrain pour vraiment
et faire gagner le Sili national. Quel classement il doit faire? Je pense qu'il doit jouer avec le classement avec lequel on avait joué le deuxième match. C'est ce classement, je pense qu'il doit, il doit reconduire la même équipe. Oui, parce qu'il y a quelqu'un hier qui n'a pas joué. J'ai l'impression qu'il nous a manqué. Hein. Ouais. C'est un ressenti. Le jeune Sekou Mars, il l'a, sur le côté. Je pense qu'il nous avait manqué. Hier, je pensais que Guirassy n'avait pas sa place. Pas parce qu'il n'est pas bon, hein, mais parce que son état de santé dans les matchs précédents n'était pas au top. Et je trouve que la prestation de Mohamed Bayo pouvait faire qu'il pouvait jouer hier. D'accord. Okay. Mais donc, c'est l'entraîneur qui a décidé ça. Et il faut respecter la décision de l'entraîneur. République de Guinée, Guinée-Équatoriale, oui. Score. Le score, je pense qu'on va gagner 1-0. Parce qu'on a une belle défense, une défense solide. Quand on joue avec l'équipe type, je parle de Jacabi, je parle de Janvier, je parle des deux autres. Je pense qu'on peut gagner. Merci beaucoup. Merci. On le souhaite. Merci beaucoup.